Ce que tu as autorisé, ce que tu as permis, tu as voulu reprendre ton serviteur. Fais en sorte que son corps arrive nous parvienne. Père, nous te sommes très reconnaissants ce soir. Et ce n'est pas en vain que tu as permis cet événement nous arriver. C'est à travers cet événement que tu puisses encore nous montrer ton visage. Ton serviteur est entre tes bonnes mains. Nous te prions, Seigneur Jésus-Christ, de bien vouloir fixer ton attention vers nos cris à chaque fois que nous allons nous réunir dans ces temples que tu as communiqué la vision de ton serviteur Charles-Élis de bâtir. Que tu puisses éclater ta gloire de manière extraordinaire. Charles-Élis est parti, mais il n'est pas parti. Il vit toujours dans nos cœurs. Il est toujours avec des serviteurs. Sa vision est là. Nous allons continuer cela, la matérialiser. Faire en sorte qu'il réussisse même à son absence physique. Père, étends ta main. Consomme ton peuple. Tu es celui-là qui sait renouveler la force de ceux qui n'en ont plus. Tu es celui-là qui sait renouveler l'intelligence, qui sait renouveler les capacités perdues. Nous avons besoin de toi pendant ce temps. Assiste la famille tant que nous sommes spirituels. Sois avec nous durant tout le déroulement de ce programme des obsèques. Et seul le nom de Jésus soit glorifié du début jusqu'à la fin. Nous t'envoie ainsi. Amen. Maman apôtre, prenez mes talons, s'il vous plaît. S'il vous plaît, faites-moi la zéla. Maman, aujourd'hui, la bananos. Nous sommes pour la Sima. Faites-moi la zéla, permettez de la Bima. Merci.